Et bonjour! Oh oh oh! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui en forêt pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Earth. Et les amis, avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos retours sur justement ma vidéo découverte de Minecraft Earth. Sachez que ça me fait super plaisir. Je suis vraiment très content parce que voilà, j'ai pris du plaisir à avoir fait le montage et à avoir tourné. Bon, j'avais un petit peu froid, mais c'était marrant. Mais surtout, voilà, avoir fait le montage, j'ai passé trop un bon moment. Et quand j'ai vu vos retours, que ça suivait derrière, bah, j'étais super content. J'ai appris beaucoup de choses sur Minecraft Earth. On a découvert tous les deux des trucs qu'on ne connaissait pas. Donc depuis la dernière vidéo, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller checker, elle est vers là. Je ne connaissais pas grand chose au jeu, forcément, puisque c'était la découverte. Aujourd'hui, j'en sais beaucoup plus et je suis trop content. Vous allez voir, aujourd'hui, on va construire une maison. Ok, on va construire une maison. Donc ouais, j'ai appris comment crafter, comment faire fondre des trucs dans les fours, à quoi servent les petites aventures. Vous savez, il y a des beacons un petit peu à droite à gauche sur la map. Et en fait, on peut faire des petites aventures où on peut combattre des squelettes, des zombies, des araignées en réalité virtuelle. Enfin, je trouve ça vraiment fou. Voilà, c'est un accès anticipé, il y a des bugs, mais je trouve ça vraiment incroyable. Donc c'est parti les amis. Je suis vraiment perdu dans la forêt, donc le GPS aussi il est perdu. Alors regardons ce qu'on a autour de nous. Alors il n'y a pas de beacon en vue, donc il n'y a pas d'aventure, par contre on peut récupérer ça. Alors je vais vous montrer ce que j'ai dans mon inventaire, faut que vous regardez tout ce que j'ai récupéré parce que du coup j'ai beaucoup de choses, vous allez voir c'est insane. Donc là je peux ouvrir mon inventaire et alors regardez tout ce que j'ai. Donc j'ai récupéré du fer, donc j'ai fait chauffer, vous voyez j'ai deux lingots de fer. J'ai récupéré un cluck shroom, donc en fait c'est une poule, mais version mushroom, donc c'est un peu une créature rare. J'ai fait fondre du sable, ça m'a fait des vitres. Hop, un mouton, parfait. Je sais pas combien de moutons j'ai, ni combien de vaches j'ai, mais je crois que j'en ai beaucoup parce que j'en ai beaucoup. Hop. Alors vous voyez, je récupère à chaque fois beaucoup de rubis. Là, j'ai 32 rubis. Donc ce que je disais dans la dernière vidéo découverte, ça sert à rien en fait de claquer de l'argent dans le jeu puisque il suffit juste de récupérer des collectables et puis tu te fais vachement plaisir quoi. En fait, on a des défis. Alors regardez, normalement c'est ici. Ah non, ça c'est pour créer des choses. Donc ça c'est pour, on peut faire des crafts en gros. Regardez, je vais juste vous montrer. Par exemple, je peux faire une épée en fer puisque du coup j'ai un stick et deux lingots de fer, bah, comme dans Minecraft en fait. Mais je vais pas faire ça parce que j'ai envie de me faire une pioche en fer du coup pour pouvoir miner. Donc par exemple, je vais faire une pioche en pierre, ok? Donc je clique sur la pioche en cobble, et là je fais fabriquer, et voilà. Donc là, il faut attendre 5 minutes. Du coup, ce que je disais, c'est qu'on a des défis quotidiens, des défis hebdomadaires, et des défis carrière. Et en fait, à chaque fois que tu les accomplis, tu as des récompenses. Voilà, regardez mon skin, s'il n'est pas magnifique, je l'ai custom comme Jaja, je me suis fait une grande barbe, j'ai mis des cheveux bleus, et je suis parti du skin d'Alex à la base, hein, donc c'est le skin de fille. Je me suis mis une tenue rose un peu féminine. Et puis je me suis fait un bras et une jambe en mode robot. Enfin, il n'y a rien qui va hein, sur ce skin, je vous l'accorde. Ouh, alors attendez, je suis face à un dilemme. Je vous explique. J'ai un chemin qui continue par là-bas, d'accord? Mais ici, regardez, j'ai un petit chemin assez sombre. Alors, ça, on s'en rend pas bien compte à la caméra, mais... Alors, je sais pas où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'il nous propose le jeu? Oh, attends, il y a une vache. La vache! Hop, ça y est. Je peux récupérer ma pioche, les amis. Hop, je la prélève. Et maintenant, j'ai de nouveau une pioche dans mon inventaire. Parfait. Et on va prendre ce chemin-là, allez, vas-y. C'est la pire idée parce que le chemin il est gadouilleux, mais... Gadouilleux, hein, j'ai dit. Hein. Normalement on dit gadoueux, mais j'ai dit gadouilleux. Les amis, regardez, on s'approche d'un coffre. J'ai un coffre droit devant nous. Alors, je vous jure, vous n'allez pas me croire parce que vous allez dire, hey, c'est vachement gros quand même, ça fait deux fois de suite que tu nous le fais. Mais j'ai entendu un sanglier, voilà. Non, mais c'est pas une blague en fait. Frérot, le coffre il est là-bas, regardez. Je fais comment pour y aller? En fait, je sais pas si vous les voyez. Mais il y a des barrières, des clôtures en bois. Alors pourquoi il y a des clôtures en bois? C'est pour renforcer ce que je vous disais. C'est à cause des sangliers. C'est pour pas que les sangliers puissent venir. Eh oui, non mais eh, c'est ça ma région, hein. C'est ça l'Alsace, hein. C'est des sangliers partout. Ah, il y a un chemin là, attendez, c'est bon. Sauvé. Bon du coup les frérots, je vais vous dire très sincèrement, du coup je suis près d'une propriété privée. Donc il y a quelqu'un qui est juste derrière, donc si jamais j'ai un problème, j'aurai juste à crier à l'aide. Donc je vais y retourner. Je vais y retourner et puis le sanglier, je lui expliquerai que c'est juste parce que je vais récupérer un coffre. De toute façon j'ai une voix virile, alors il aura peur de moi. Ah bah en plus on les voit les sangliers dans le jeu, regardez c'est les petits cochons là. Putain je les entends les sangliers. M'en fous, j'y vais. Plus rien me fait peur. Bonjour, c'est William, coach en séduction sur Bordeaux et sur Arcachon. Le coffre, ça y est, je peux l'atteindre. On a quoi dedans? Il faut que je tape. Qu'est-ce qu'on a dedans? Laine marron, graines de betterave et du verre? Pardon?
Attends, tout ça pour ça? Mais non. Je suis dégoûté. Ah, je trouve ça nul, hein. Bonjour. Par contre, du coup, je suis rentré dans une propriété privée. Mais je pouvais pas le savoir parce que je suis passé par la forêt. Je veux pas me faire arrêter, moi. C'est bien parce qu'il y a des déchets partout, quoi. Fantastique. Hop, j'ai récupéré une gemme. Oui, c'est vrai que je dis un gemme, mais normalement, c'est une gemme. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre des gemmes hein, sur cette vidéo. Ah, le gratteur. C'est pour vous que je le fais, damn. Pour vous, les amis, je fais gonfler le bibi. Je vais à moins 30 degrés dehors. Alors, boum, barre de pouces bleus. Boum. À 500 pouces bleus, je serai avec JuveXNo4 et on va faire des ponts sur Minecrafters. Donc là, j'ai deux aventures. Est-ce que je peux, là? Hop. Jouer. Ça y est, préparation du jeu. Ça y est, ça fonctionne. Donc en fait, là, il faut placer le plateau à un endroit le mieux possible. Donc là, ça va être assez compliqué vu le décor. Et là, regardez, hop, oh, je découvre. Ça, j'ai pas encore vu. Donc là, on a une sorte de puits. Donc normalement, on peut voir. Donc là, j'ai mon épée à la main, attendez. Là, j'ai mon épée à la main. Donc là, on va faire très attention. Parce qu'à mon avis, il y a des mobs qui nous attendent. Ah non, juste un cochon. Donc on a un temps limité, par contre, hein, sur l'aventure. Donc là, je vais tuer le cochon. Si j'y arrive, j'arrive pas à le taper. Ça y est. Et je vais pouvoir récupérer son loot. Alors attendez, son porc, il est là. Donc là, je vais pouvoir casser la terre. Oh, je me fais attaquer. Non. Où ça? Un squelette! Non! Je veux pas mourir! Casse-toi! Casse-toi! Casse-toi, je vais crever! C'est bon, je l'ai eu! Oh putain! Il m'a fait peur! Il n'y a pas d'autres méchants autour? Non, visiblement non! Oh, ça m'a fait peur! Donc là, vous voyez ma jauge de santé en haut à gauche, elle est pas bonne! Est-ce que je peux manger du porc pour me régène? Ça a pas l'air de marcher! Ah, il y a du fer! Parfait! Je suis trop content! Je suis trop content! Alors, j'essaye de viser le fer! Parfait, je vais pouvoir me faire une pioche en fer! Oh, il y a encore du fer qui se cache, mais c'est fantastique! Alors, à noter que quand vous pouvez jouer en fait avec vos amis sur ces aventures, on a essayé avec Marion, c'était trop stylé. Et en fait, à chaque fois, on récupère le double. C'est-à-dire que si maintenant je mine du fer, eh bien, ton collègue le récupérera aussi. Donc ça, c'est sympa. Donc à la fin, on a un inventaire qui est similaire à celui de son pote. Et ça, c'est sympa. Au moins, il n'y a pas de jaloux. Calcul des ressources, tout ce qu'on a récupéré. Voilà, donc 50 points d'XP, 4 fer et 8 éléments en plus. Donc hop, on revient à la carte. Et j'ai gagné un niveau, ça y est. Du coup, je suis niveau 5. Nouveau plateau de construction déverrouillé. Donc ce qu'on va faire, sans plus tarder, c'est que je vais faire fondre, regardez, je vais faire fondre mon fer, là, donc je vais en faire 4. Il faut plus de combustible, on va utiliser le bois de chêne, vous savez quoi, on va utiliser pas mal de bois de chêne, voilà. Fondre, et là vous avez vu, 46 minutes. Il faut, les amis, 46 minutes pour faire fondre 4 lingots de fer. Mais vous vous rendez compte comment c'est pourri? C'est nul. Ça c'est le plateau, ah voilà, c'est le nouveau plateau. Oh, c'est insane. Et en plus on a déjà une maison. On a déjà une maison qui est construite. Et alors ça, c'est le plateau du coup que j'ai commencé à faire. Vous avez vu, j'ai commencé à construire une maison. Voilà. C'est pas trop mal. Et là, on a d'autres plateaux. Ça, c'est niveau 10. On va aller visiter ce nouveau plateau que je viens de débloquer. Hop. Oh, c'est insane. C'est insane. Et on voit les nuages, vous avez vu. Il y a quelqu'un, il y a Alex déjà à l'intérieur. Donc normalement, le mouton, je peux le tuer, mais on va le garder. Oh non, je vais le tuer. Allez, hop. Ça dégage. Le mouton, il dégage. On récupère le loot. Et là, normalement, alors attends, la porte, elle est de l'autre côté, sincèrement. La porte, elle est de l'autre côté, ça fait chier, ça. Alors là, il faut que je tourne autour de la maison pour pouvoir y rentrer, quoi. Salut, Alex! Est-ce que je peux interagir avec elle? Attends. Interaction. Non, je peux pas interagir avec. Alors attends, on va rentrer dans la maison pour voir si elle est sympa. Hop, j'ouvre la porte. Oh! Attends, faut que je passe par en dessous parce que je suis trop grand. Et là, on a une petite échelle. Est-ce qu'on peut descendre? Ouais, je peux pas aller plus bas que... Je sais pas comment on fait pour descendre. Très sympa la maison en tout cas. Attends, je suis bloqué dans les... Voilà. Il est sympa ce plateau. Hop, on ferme la porte. Ça va? Tu passes un bon moment? Est-ce que je peux la taper? Attends, je vais essayer de la taper à la main. Oh merde! Non, pardon! Oh non, elle est pas contente. Ça va? Je suis désolé, il y a un coffre juste ici, alors attendez. Alors j'ai dit que c'est pas dangereux, mais il faut quand même que je... Parce que vous voyez, je suis sur le chemin, en fait je suis sur le chemin ici, et il faut que j'aille là, donc il faut que je descende là, regardez. Oh putain. Oula. Oula. Oh. Bon, c'est pas grave. Tout va bien. Là le coffre, non mais il est dans les orties et tout. Il est dans les orties mon pote. Oh non, mais je suis déjà dans les orties en fait, je viens de remarquer. Enfin c'est pas des orties, c'est des ronces. Ça y est le coffre, je peux l'ouvrir, parfait. Fantastique.
Qu'est-ce qu'on a dedans? De la betterave, un escalier en chaîne. C'est tout. Voilà, d'accord, donc va te faire foutre quoi. Va dans les orties pour récupérer de la merde quoi. Super, grosse ambiance quoi ce jeu. On est reparti. Eh ben écoutez, vous savez quoi? En fait, j'aimerais trouver un endroit pour poser la caméra et pouvoir construire ma maison paisiblement. Bah du coup, on va le placer par terre là directement. Parce que ça, du coup, c'est un petit plateau où on va le construire. Donc on va le placer là, comme ça. Hop, parfait. Bah la porte, oui, on va la faire là. Le seul petit, voilà, le petit coin là. Il y a des bruits très chelous. Hein. Faut toujours être attentif à la vraie vie. On fait attention. Hein. Tout va bien? Donc là, on va mettre la porte. Est-ce que j'ai une porte sur moi? Évidemment, j'ai pas pensé à crafter une porte. J'ai pensé à rien. Ah si, j'ai une porte. Excellent. Excellent, excellent, j'y avais pensé. Alors attendez. Là, parfait. On va faire une fenêtre. Une double fenêtre ici. Parfait, c'est symétrique normalement. Voilà. Ensuite, pareil, une double fenêtre ici. Là, on va pas mettre de fenêtre sur ce côté. Hop, ça fonctionne trop bien. Parfait. Et voilà. Et on a notre belle maison. Regardez, elle est pas mal la petite maison là quand même. Bon, on peut mieux faire. Hein. Voilà, je vais vous faire un petit room tour. Donc voilà, je vous fais déjà un plan au drone. Voilà, regardez comme il est beau. Elle est belle notre maison en vrai. Et je vais pouvoir normalement, voilà, je vais pouvoir la mettre en grand et on va pouvoir la visiter ensemble. Et voici, oh là là, ça c'est moi qui l'ai construit les frérots. Ça c'est la maison que j'ai construit les amis. Alors la porte elle est de l'autre côté, ça m'embête un peu, il va falloir que je passe par l'herbe. C'est un peu pénible. Mais bon, on fait avec. Hop. Alors je vais me baisser, puis je vais rentrer dedans. C'est une maison de nains. Hop, attendez. Voilà, je rentre dans la maison. Et là je peux voir à travers la fenêtre normalement la GoPro. Attendez. Oui, on voit la GoPro à travers la fenêtre. Alors, est-ce que vous me voyez? Ça, c'est fantastique. Ça, les amis, c'est pour ça que j'aime ce jeu. Alors, si c'était mieux calibré, ce serait encore mieux. Alors, ce qui est fascinant aussi avec ce jeu, vous êtes où? Oh, vous êtes là. C'est que je peux passer à travers. Regardez, je vais casser la fenêtre. Et voilà. Je viens de passer à travers la fenêtre. C'est fort quand même, hein. Allez, et ben voilà les amis, et franchement, et c'est bien sympa, hein. En vrai de vrai. Alors moi, je vais vous dire un truc pour un petit peu conclure cette vidéo, en espérant que l'écran a bien été enregistré cette fois-ci. Franchement, donc quand j'ai découvert Minecraft Earth, donc dans ma première vidéo que je vous ai sortie du coup il y a quelques jours sur la chaîne, alors donc comme dit, j'étais super hypé, le but du jeu c'était de divertir un peu et de m'amuser. Le montage, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que du coup, c'est pas le jeu auquel je vais jouer tous les jours. Bon, encore aujourd'hui, vous inquiétez pas, je vais pas y jouer tous les jours, hein, voilà. Mais, je dois dire que depuis que j'ai découvert un peu les fonctionnalités qu'on ne connaît pas trop, donc les crafts, les fusions, enfin tout ça, quand on découvre un petit peu le jeu au fur et à mesure, et ben en vrai, ça donne envie de créer des choses. C'est le but de Minecrafter, c'est de créer des choses et dans le monde réel. Et le fait qu'il y ait des aventures, qu'on peut tuer des squelettes et tout, ça rend vraiment le truc très sympa. Encore une fois, c'est une accès anticipé, c'est une bêta. Donc, quand il y aura une version finale, que ça va arriver, que tout le monde pourra y jouer, je pense que tout sera beaucoup plus opti, beaucoup plus au point, qu'il y aura moins de bugs, ce sera peut-être mieux calibré, je sais pas, en tout cas c'est ce que j'espère. Je suis très content, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus parce que moi j'ai un petit peu froid, j'ai les pieds mouillés, je vais tomber malade 100%, c'est sûr, obligé. Et puis je vous retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, ciao tout le monde.